Et c'est parti dans ce prix Jean Le Gonidec, semi-classique, réservé à la génération des 5 ans. On est très bien parti avec Match de la Mérité, avec My Love Lady à l'extérieur, Magou du Ravary. À la corde, on aperçoit Miss de Corveille avec également Atoll Plage, le numéro 1. On va diriger vers le premier tournant, Monte Sicari a un peu décroché. Et on a un cheval qui est très très mal parti. C'est le numéro 4, Funky Ride, qui a compromis ses chances. Premier tournant, Match de la Mérité prend l'avantage, il aime bien aller de l'avant. Jasper Verbeck a le meilleur en deuxième position. My Love Lady à la corde, Miss de Corveille tout à l'extérieur. On retrouve Magou du Ravary, le favori, qui va se rapprocher maintenant, qui va se positionner aux côtés de Jasper Verbeck. Cinquième place pour Atoll Plage avec également Nelson November. Michael de Bonas est plus loin en compagnie de Dassem Prépare. À l'arrière du peloton, on aperçoit Mélodie du Réau, mais aussi Monte Sicar qui est avant-dernier. Dernière position pour Funky Ride, le numéro 4, qui doit faire un gros effort pour revenir sur le peloton. 2200 mètres à parcourir. Match de la Mérité à l'avantage et Magou du Ravary se place dans son sillage. En troisième position, Miss de Corveille avec son extérieur My Love Lady, suivi par Atoll Plage, Nelson November, le numéro 9, Dassem Prépare, Michael de Bonas, Mélodie du Réaume, avant-dernier toujours Monte Sicar, et en dernière position le 4 de Funky Ride qui vient de recoller au peloton. On se dirige vers la descente, on y est d'ailleurs, avec Match de la Mérité magnifique aujourd'hui. Il a l'avantage, Jos Verbeck s'est retourné, il va voir venir Jean-Michel Bazire qui décolle à l'extérieur et qui va se placer en deuxième position avec Michael de Bonas. Vous voyez Magou du Ravary, grand favori, le long de la corde troisième devant My Love Lady et Mélodie du Réaume qui fait un bel effort à l'extérieur avec Sébastien Poilane pour venir en tête de course. On se dirige vers la plaine. Il reste 1600 mètres à parcourir. Match de la Mérité à l'avantage toujours. Mélodie du Réaume est placée maintenant en deuxième position par Sébastien Poilane. Michael de Bonas a été repris par Jean-Michel Bazire, il est troisième. Magou du Ravary, le grand favori, le long de la corde en quatrième position, suivi par My Love Lady, mais aussi Miss de Corveille, Nelson November et plus loin avec également Atoll Plage. Dassem Prépare qui s'est décalé en deuxième épaisseur et à l'arrière toujours Monte Sicar et Funky Ride. La montée à présent. Avec deux chevaux en tête, on a le long de la corde Match de la Mérité à son extérieur, la jument Mélodie du Réaume. La troisième place pour Michael de Bonas, les positions sont figées. À la corde en quatrième position, le grand favori Magou du Ravary qui est enfermé. On voit ensuite Miss de Corveille avec également My Love Lady, Atoll Plage, Nelson November, Dassem Prépare, Funky Ride et Monte Sicar qui est dernier. Ça ne bouge absolument pas. On est derrière le petit bois. On a passé le poteau des 1000 mètres, il reste 800 mètres à parcourir. Match de la Mérité qui contrôle. Jos Verbeck qui va petit à petit lancer la course véritablement. Dans le haut de la montée, bientôt à l'intersection des pistes. En deuxième position, Mélodie du Réaume devant Magou du Ravary. Vous voyez que Dominique Cordeau a beaucoup de ressources avec le grand favori qui est pour le moment enfermé. Dernier tournant avec Match de la Mérité qui accélère maintenant. Mélodie du Réaume deuxième, Magou du Ravary qui est pour le moment piégé à la corde. Michael de Bonas vient à l'extérieur avec également Dassem Prépare. My Love Lady qui essaie de réagir. Alors on va de plus en plus vite, il reste 400 mètres à parcourir. Match de la Mérité lancé par Jos Verbeck en deuxième position. Mélodie du Réaume devant Magou du Ravary. Beaucoup de ressources pour Dominique Cordeau le long de la corde. Il va essayer de se décaler. Michael de Bonas qui vient à l'extérieur. Entrée de ligne droite, Match de la Mérité à l'avantage. Jos Verbeck sent dans son sillage Dominique Cordeau. Il reste 300 mètres à parcourir, même pas. Et Match de la Mérité accélère. À l'extérieur, on a Mélodie du Réaume avec également Magou du Ravary, le favori qui se lance maintenant à la poursuite des premiers. Et Michael de Bonas à l'extérieur. Match de la Mérité en tête devant Magou du Ravary qui regagne beaucoup de terrain. Match de la Mérité contre Magou du Ravary. Et Mélodie du Réaume qui s'impose. Et bien peut-être Match de la Mérité à voir avec Magou du Ravary. Il semblerait tout de même que Jos Verbeck ait réussi à remporter ce prix Jean Le Gonidec. La troisième place semble-t-il à l'extérieur pour Mélodie du Réaume.